Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce joli turban au crochet. Beaucoup de demandes et comme promis, on va le faire aujourd'hui. Très facile à faire. Mon turban pèse environ 100 grammes. Il me reste quelques grammes de mes 100 grammes. À peu près dans les 90 mètres. Très facile. Restez avec moi, on va commencer. Pour commencer, prenez une belle laine, moyenne ou grosse, et adaptez votre crochet à votre laine. Là, moi, je vais travailler avec une laine qui vient de Turquie. C'est la marque Lisa, c'est Tunes de Lisa. Je ne sais pas si vous allez la trouver. Alors, elle contient 100 grammes, elle pèse 100 grammes pour 100 mètres. Elle se crochète entre 4 et 5. Moi, je vais utiliser le numéro 6 pour moi, car je la trouve quand même un petit peu épaisse. Une aiguille à laine, un marqueur, un ciseau et mon mètre ruban. On va commencer. Pour commencer, on va faire juste une chaînette de 80 cm. On va mesurer, c'est pas la peine de compter nos mailles. Il faut faire juste une chaînette et mesurer. Quand on atteint les 80 cm, on s'arrête. J'ai terminé ma chaînette, j'ai fait 80 cm. Alors, le turban, pour le faire, vous pouvez faire une chaînette de 80 et si vous avez peur qu'il soit un petit peu petit pour quelqu'un de fort, vous pouvez aller jusqu'à 100 cm, 1 mètre. Vous faites votre chaînette jusqu'à arriver à 100 cm. Mais en général, 80 cm suffit. On continue. On va travailler avec la demi-bride. Alors, pour commencer, je vais faire deux mailles en l'air. Une et deux. Et je viens dans la troisième. Une, deux, trois. Je pique mon crochet et je fais une rangée de demi-brides. Jusqu'à la fin. Vous allez voir qu'il est très très facile. Juste des demi-brides jusqu'à terminer tout le rang. On termine le rang. Plutôt, je le termine et on se retrouve après pour la suite. J'ai terminé toute ma chaînette avec des demi-brides. Il me reste une maille, on va la terminer ensemble, ma dernière. Alors, on va la terminer ensemble. Et voilà. Maintenant, je fais deux mailles en l'air. Et je tourne mon travail. Je viens là sur ma première maille. Alors ma maille, elle a deux brins. Je viens sur le deuxième, le brin arrière. Et je vais faire une demi-bride. Après avoir fait les deux mailles en l'air, je tourne mon travail et je fais sur le brin arrière de ma maille une demi-bride. On va travailler sur le brin arrière. Sur la prochaine aussi, je travaille sur le brin arrière de la maille et je fais une demi-bride. Et je continue de cette manière à travailler sur le brin arrière de chaque maille en faisant une demi-bride. Jusqu'à terminer toute notre chaînette. Plutôt toutes nos mailles
Terminez tout le rang en travaillant sur le brin arrière, une demi-bride. Ça va ressembler un petit peu au tricot. Et on se retrouve après pour la suite. Je suis à la fin de mon deuxième rang. On termine ensemble. Alors, toujours sur le brin arrière. Et je termine avec une demi-bride. Troisième rang. On va travailler de la même manière. Faire deux mailles en l'air. Tourner notre travail et sur la première, on fait une demi-bride sur le brin arrière et une demi-bride sur chaque brin arrière des mailles. On continue comme ça, de la même manière. Sur chaque brin arrière, on fait une demi-bride. Et on fait ça plusieurs fois jusqu'à atteindre une largeur de 12 cm. On va continuer en travaillant en aller-retour. À chaque fois sur le brin arrière de la maille et avec des demi-brides. Jusqu'à atteindre une largeur de 12 cm. Si vous faites les 80 cm de longueur, vous faites 12 cm de largeur. Si vous faites 100 cm de longueur, faites 14 de largeur. Et on se retrouve après pour voir comment le coudre. Je viens de terminer mes 12 cm. Maintenant, on va faire une maille en l'air et couper le fil. Et on a terminé notre rectangle. Coupe. Après, on va faire entrer tous les fils. Maintenant, je prends mon rectangle et je le plie en deux. Comme ça. Je prends mon marqueur et je le place ici au milieu. Pour marquer le milieu de mon rectangle. J'ai mon marqueur ici. Au milieu, on va maintenant croiser pour avoir notre turban. Maintenant, je prends le côté droit, je le mets comme ça, et je prends le côté gauche, je le mets sur le côté droit. Je vais maintenant retourner mon travail. Comme ça, de cette manière. Alors, je suis au milieu de mon marqueur. Si on compte par là, il faut qu'on trouve le même nombre de mailles. Si j'ai par ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Plié au niveau de la 9e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Maintenant, je vais prendre ce côté et le ramener ici comme ça, et l'autre côté je le mets comme ça, de ce côté là et on va procéder à la couture. On va juste coudre cette partie et cette partie. On commence. Alors, je prends
Ici, on va prendre juste une maille du côté droit et une maille du côté gauche. Et on coupe. Très simple. Une simple couture. C'est juste pour unir les deux côtés. On s'arrête ici. Je termine. Alors, il me reste quelques millimètres à coudre. Alors, après, on fait rentrer tous les fils. Alors, j'ai cousu ce côté-là. Maintenant, puisqu'il me reste du fil, je vais passer et coudre ce côté. Après, je reviens sur celui-là. On va coudre par là, c'est juste prendre une maille avec une maille. Une couture très simple. Jusqu'à unir les côtés. De cette manière, je termine ce côté. Après, je vais revenir à celui-là. Je vais le coudre et on se retrouve après. J'ai terminé de coudre ce côté-là et l'autre côté. Maintenant, on tourne notre ouvrage et on vient là. Vous voyez cette partie, on va la coudre avec cette partie. Je vais prendre comme ça. Après, on va faire rentrer tous les fils et la coudre. Comme ça. Jusqu'à, alors, environ, je vais vous dire. On va juste coudre à peu près. Je vais coudre à peu près, pour moi, 14 cm. Jusqu'à arriver ici et cacher ça, cette ouverture. Et on va prendre l'autre côté aussi, ce côté, avec l'autre côté. Et on va coudre la même mesure. Si je fais par là 10, on fait 10. Si on fait 14, on fait 14. La même manière. C'est pour juste cacher les ouvertures. Je prends mon aiguille, je suis là où je me suis arrêtée tout à l'heure et je fais passer mon aiguille. Oups, je le laisse un petit peu. Et je couds les deux côtés, juste une couture simple. Jusqu'à arriver ici. Je vais faire à peu près, pour moi, 14 cm. Voilà, j'ai cousu ce côté-là. Alors, je l'ai fait pour 14 cm. Je vais faire la même chose pour ce côté-là. Je vais prendre celui-là avec celui-là. Et faire une couture jusqu'à arriver à 14 cm pour que ça soit identique, les deux côtés.
je prends mon fil et je viens, je prends ces deux côtés et je les unis. Vous allez voir que il est très très facile et simple à faire. Je continue ma couture et en même temps, alors je vais arriver ici, je vais mesurer et je vais m'arrêter pour quand j'arrive à 14 cm. Aussi, il ne faut pas oublier de cacher tous les fils avec une aiguille. Il ne faut pas les couper. Je continue à coudre et on se voit après pour la suite. J'ai terminé ma couture avec, là j'ai toujours mon aiguille, mon fil dans mon aiguille, je vais juste cacher avant de couper et on va cacher tous les fils. J'ai terminé, j'ai fait rentrer tous les fils. Maintenant, on retourne notre travail. Voilà. Et voilà notre turban terminé. On a fini pour aujourd'hui. Je vous dis merci. J'espère que cette vidéo va vous aider à réaliser le vôtre. Et à très bientôt.